How do you do? Mr. Carl Linley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to... On s'est penché sur la vapeur, sur les ordinateurs, il est maintenant temps de s'intéresser à nous. Le biopunk est un genre qui doit énormément à son grand frère, celui qui l'a précédé et dont il est le prolongement, le cyberpunk. Mais comme ce dernier est apparu dans les années 70-80, son esthétique a, par certains aspects, pris un côté rétro-futuriste, s'éloignant de l'anticipation de notre monde pour se constituer comme un univers à part. Avec ses néons, ses angles à 135 degrés, ses immenses ordinateurs et leurs interfaces colorées, le genre est presque aujourd'hui devenu réconfortant. Si sa place et le regard que nous lui apportons ont donc évolué avec le temps, il a toutefois su rester fertile, donnant naissance à de nombreux sous-genres que l'on appelle post-cyberpunk, à l'image de celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le biopunk est donc plus récent, suivant les progrès fulgurants de la génétique et de la biochimie, notamment dans les années 90 et 2000. L'invention du terme est plus probablement due à Brian McHale dans le chapitre de son livre Constructing Postmodernism Towards the Poetic of Cyberpunk, publié en 1992. Il opère un changement de paradigme central, remplacer les ordinateurs et autres robots par les cellules qui nous composent. Si le sens du préfixe dans ce vocable est saillant et incontestable, le suffixe punk est ici un cas un peu plus compliqué. Pour les débuts du cyberpunk, il décrivait un type de protagoniste sous la forme d'un anti-héros. Vu comme un raté, molesté par la société, résolument nihiliste et proche de la culture musicale, il n'a pour autant jamais constitué un véritable prérequis générique. Le cyber a en quelque sorte pris le pas sur le punk. Pour le biopunk, le suffixe est encore plus résiduel, plutôt un moyen de marquer sa filiation dans son nom, même s'il peut parfois garder un sens sardonique et contestataire. Les questions qui sous-tendent les deux genres sont donc voisines. Quand le cyberpunk nous demande si nous serions prêts à nous couper la jambe pour la remplacer par une prothèse synthétique afin de courir plus vite, le biopunk pose une question plus insidieuse. Serions-nous prêts à la modifier par la génétique? Révélant toujours en creux la même interrogation existentielle. Dans quelle mesure notre enveloppe charnelle est-elle la nôtre? Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Le biopunk est un genre, à l'instar du cyberpunk, qui dépend de son matériau. Dans ces univers, le corps et ses gènes servent de matière première à la technologie. On touche donc à des domaines tels que la chimie et la biologie, mais utilisés dans une perspective jusqu'au boutiste, à l'instar de son ancêtre. On peut ainsi distinguer deux types d'expérimentateurs dont la vocation est d'augmenter l'humain. Les mécaniciens, enfants du cyberpunk, usent d'électronique et de biomécanique, quand les façonneurs le modifie de l'intérieur, par la génétique. L'altération est ici moins perceptible, car si un corps étranger est clairement identifié dans le cas du premier, peut-on réellement déterminer ce qui vient de ce qui ne vient pas du patient dans le cas du second? Le résultat est-il le simple développement d'un potentiel déjà présent, ou une corruption totale? Cherchant l'optimisation à tout prix dans l'optique de remplir un but bien précis, le genre exclut presque totalement dans son esthétique les plantes, ne gardant du spectre du vivant que les champignons et la matière animale, recherchant en elle l'étrange et la dissymétrie. Si c'est le cas, c'est parce que, comme souvent en science-fiction, le biopunk cherche à créer un malaise. Un malaise qui nous ramène ici à notre condition organique, aux frontières de l'humain dans son existence charnelle, traitant le corps comme une ressource, une matière malléable optimisée pour servir les intérêts d'un hypercapitalisme débridé, un autre écosystème dans le fond. Simplement, à une échelle différente. Ce qui est intéressant avec ce choix de matériaux si particulier et fondamentalement viscéral, c'est que l'on est bien loin d'une matière inerte. Au contraire, la chair est représentée sous toutes ses formes, abîmée, vieillie, meurtrie, jusqu'à être sujette à des mutations, à l'imprévu, à l'étranger. C'est d'ailleurs pour pouvoir faire naître les créations les plus grotesques que le genre use énormément du trope du scientifique fou, par nature imprévisible, car débarrassé de tout questionnement ontologique ou moral.
Vous comprenez donc maintenant en substance pourquoi la journaliste et écrivaine américaine Annalie Newitz a pu écrire « Cyberpunk is passé ». Elle ne parle pas du biopunk, mais plutôt des biopunks, désignant ainsi les biohackers, ceux qui détournent et se réapproprient ce domaine qui peut paraître inatteignable aux gens du commun. C'est un mouvement culturel communautaire aux fortes implications philosophiques et politiques, promouvant le libre accès, en opposition avec les lobbies pharmaceutiques privés. Ils sont donc prêts à créer leurs propres médicaments en expérimentant sur eux-mêmes, parfois au risque de leur propre santé. Si c'est souvent dans une volonté d'optimisation de compétences déjà existantes, le milieu est loin d'être dénué de tout aspect créatif. Certains cherchent à créer de nouveaux sens, comme celui de sentir le nord, de percevoir les champs magnétiques. Ces tensions et autres guerres entre accaparement privé et collaboration publique se sont déjà illustrées dans notre société, comme en témoigne celle pour le séquençage du génome humain, un projet titanesque qui débute en 1990, quand les États-Unis lancent sous l'égide du National Institute of Health le Human Genome Project, faisant collaborer 350 laboratoires dans 18 pays différents afin de séquencer les quelques 3 milliards de bases du génome humain pour 2003, dans le but de les rendre accessibles à tous. S'il a une telle ampleur au niveau international, c'est parce que son ambition de comprendre plus pleinement nos gènes pourrait permettre d'établir des remèdes à des maladies jusqu'ici incurables. Mais en 1998, un rival s'annonce en grande pompe, incarné par le biologiste moléculaire justement issu du NIH, Craig Venter, avec la fondation d'une entreprise, Celera Genomics. Son ambition, clairement affichée face aux potentiels futurs investisseurs, est de parvenir à poser des brevets sur les gènes les plus intéressants pour l'industrie pharmaceutique. En partenariat avec la multinationale PerkinElmer, leader mondial de l'équipement d'analyse ADN, la société tout juste fondée se voit dotée de 50 fois la capacité de stockage des plus grands laboratoires du projet grâce à la technique dite du shotgun sequencing. Venter déclare parvenir à son objectif en 3 ans seulement. Au final, cette course se conclura sur une relative égalité. Les séquences du consortium public publiées dans Nature, quand celles de Celera le seront dans Science. Résultat tout de donné à la mi-février 2001. Mais comme vous le savez, la science-fiction n'est jamais gratuite ou innocente. 1996, le premier mammifère cloné issu d'une cellule adulte naît. Une brebis prénommée Dolly, qui ne sera révélée au public qu'à la publication du résultat des recherches en février 1997. L'embryologiste star du projet, Dr Jan Wilmuth, révélera l'origine de son nom. Dolly provient d'une cellule de glande mammaire et nous ne pouvions penser à une paire de glandes plus impressionnantes que celle de Dolly Parton, une chanteuse country et pop américaine. 2018, le biophysicien chinois He Jiankui déclare avoir modifié le génome d'embryons humains via le processus d'édition CRISPR-Cas9, dans le but de les rendre résistants au VIH. L'expérience aboutit à la naissance de 2 jumelles, Lulu et Nana, premiers humains OGM. Depuis, comme elles n'ont jamais été montrées au public, on ne peut s'en tenir qu'aux nouvelles du scientifique sur leur bonne santé. Cette annonce a choqué de manière épidermique le monde entier, allant jusqu'à l'emprisonnement du chercheur par décision de justice de la Chine pour 3 ans. Les représentations du corps humain, en particulier celles qui dérogent au canon classique, sont parmi les plus marquantes. En témoignent ces gravures issues d'un traité de médecine de 1543 qui, j'en suis sûr, vous sont familières. Elles sont le résultat de dissections initiées par celui que l'on appellera plus tard le père de l'anatomie moderne, André Vézal. Il les compile dans son ouvrage De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, littéralement, à propos de la fabrique du corps humain en 7 livres. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus beaux livres du monde. L'ouvrage est par nature extrêmement composite. Entre textes en latin, gravures précises et annotations, il est la réunion d'un grand travail tant anatomiste que purement plastique. Il entremêle en effet qualités littéraires et picturales, jouant sur l'agencement des caractères et des gravures, non pas dans un souci d'efficacité, comme on aurait pu l'attendre aujourd'hui d'un traité purement scientifique, mais plutôt dans l'expression d'une créativité au service de la science. Le scientifique témoignant de la beauté qu'il percevait en le corps humain. La pratique n'était pourtant à l'époque pas vue d'un bon œil par l'Église, comme le condamnait déjà lors du concile de Tours de 1163 la fameuse formule « Ecclesia aboret a sanguine », l'Église abhorre le sang.
Mais au-delà de cela, est perceptible une forme d'étrangeté, de malaise émanant de représentations se voulant les plus fidèles possibles, issues de nombreux cadavres disposés et présentés sous toutes les coutures, mais qui resteront à jamais anonymes. Ceux dont la provenance est au contraire bien identifiée sont loin d'être plus rassurants. Pourvus par le juge Marc-Antonio Contarini, ils sont les corps de condamnés à mort, destinés après leur exécution à faire encore une fois spectacle dans des dissections clandestines. Si ces méthodes peuvent sembler repoussantes, la fiction a évidemment su creuser encore plus loin dans l'horreur, à l'image des expérimentations de vivisection du docteur Moreau, comme décrites par Herbert George Wells. Ces cobayes sont de fait des sujets bien vivants, révélés au lecteur d'abord par des cris de souffrance. Les créatures se révèlent plus tard avoir une apparence mi-homme, mi-animal. L'île du scientifique éponyme prend à bien des égards des accents dystopiques, à savoir d'une utopie qui aurait échoué, d'une vision rêvée qui aurait tourné au cauchemar, littéralement à l'image des expériences du scientifique. Le récit nous interroge dans le fond sur... The line that separates man from beast. Tore down the walls that separate man and beast. S'il y a bien une figure que je ne pouvais pas ignorer en faisant cette vidéo, c'est bien celle de Frankenstein, ou plutôt de sa créature. Même si le terme de biopunk et ses codes n'existait pas encore lors de sa publication en 1818, et qu'il serait donc complètement anachronique de la qualifier de biopunk, l'ouvrage de Mary Shelley a eu un impact culturel tellement énorme que l'on y retrouve nombre de ses tropes, avec des thèmes aussi importants que la vie et la mort, et surtout, l'humain et sa conscience. Comme l'illustre le docteur Frankenstein, scientifique ayant fait preuve d'hubris, si souvent confondu avec sa créature, peut-être de par sa folie, son humanité dérangée. Par ailleurs, étant notamment dans son héritage l'une des œuvres les plus importantes de la fiction gothique, son mélange a pu énormément apporter au biopunk. L'œuvre de Shelley est par nature paradoxale, oxymorique. On y trouve l'un des premiers morts-vivants, un monstre doux qui interroge l'humain sur ses aspirations, face à des forces qui le dépassent. Nous avons maintenant franchi la frontière qui nous séparait des œuvres relevant directement du biopunk. À l'instar d'Asimov ou de Arthur C. Clarke, et comme souvent en science-fiction, Paul James McHawley est d'abord un scientifique, diplômé de biologie et docteur en botanique. Il publie en 1995 Fairyland, traduit en français par Féerie. On retrouve un trope parmi les plus essentiels du cyberpunk, celui du hacker, mais cette fois-ci appliqué à la biologie. Notre protagoniste, Alex, est donc un biohacker, qui, de chez lui et avec une centrifugeuse maison, produit des virus rétroactifs, qui servent de néo-hallucinogènes. La chose est, comme nous allons le voir plus tard, très loin d'être fantaisiste. L'univers est résolument punk. Londres y est transformé en jungle urbaine sordide, contrôlée par une mafia qui utilise drogues de synthèse et autres biotechnologies pour asseoir leur domination sur les plus pauvres. Appuyant encore plus la filiation, on y trouve un autre concept inventé par le cyberpunk, celui des poupées. À l'image de celle de Cyberpunk 2077, même si leur origine est évidemment antérieure, les poupées sont des êtres dénués de conscience, au moins momentanément, afin qu'un autre humain puisse profiter et abuser d'elles comme des esclaves, le plus souvent sexuellement. Au lieu d'une puce qui les rend dociles et efface leur mémoire, les poupées de féerie sont des êtres à part, créés de manière entièrement artificielle, complets sur le plan biologique, mais sans conscience aucune, afin de servir les plus riches. C'est d'ailleurs dans le but de les rendre fertiles qu'Alex se lancera dans des expérimentations qui n'ont rien à envier à celles du docteur Frankenstein. Paul Di Filippo est un autre de ces auteurs influents pour le genre, particulièrement ingénieux sur les jeux qu'il crée entre le langage et la science-fiction pure. Il publie en 1996 Ribofunk, The Manifesto, déjà comme une sorte de léger pas de côté au biopunk, d'affinement par le style en associant ribosome et fun. Le ribosome, c'est cette particule qui décode en permanence l'ARN messager, Di Filippo précisant par là son intérêt pour la seule mécanique génétique. De la même manière, il fait appel à un autre genre musical. Pour ne pas sombrer dans un pessimisme punk, il convoque le funk, insufflant dans son écriture beaucoup plus d'humour, qui trouve sa place dans ses formats courts.
Ribofunk est donc un fix-up de nouvelles. Autant un ouvrage écrit en parallèle et grâce au biopunk qu'un pied de nez à celui-ci. Malheureusement, le livre n'a jamais été traduit en français, comme la majeure partie de ses œuvres. Parmi les premières mentions du terme pour qualifier un type d'univers de fiction, on trouve GURPS, Générique Universal Role-Playing System. Un système de jeu de rôle générique, c'est-à-dire un ensemble de règles pouvant être appliquées virtuellement à n'importe quel univers de fiction. Depuis sa première édition en 1986, on peut ainsi trouver des World Books, véritables bibles d'imaginaire sur des thèmes spécifiques, tels que Age of Napoleon, Deadlands, SWAT, Uplift, Who's Who, Illuminati, Undead, Autoduel, Conan, Gunfu, Time Travel, Discworld, All-Star Jam 2004, Bunnies and Burrows, Technomancer in Vietnam, et tellement plus encore. Le jeu constituant un vrai réservoir de culture alternative. Le vrai multivers, c'est donc GURPS. Que cela vous plaise ou non. Un worldbook en particulier aura un certain impact culturel pour les auteurs de science-fiction. En 1997, pour la troisième édition, sort Biotech, qui popularise le nom de biopunk, offrant aux joueurs une méthode de création de personnages extrêmement versatile, car basée sur les modifications génétiques. Comme il est en phase directe avec la philosophie du jeu, le livre est parmi les plus appréciés, mélangeant fiction pure et techniques de bio-ingénierie émergentes à l'époque. Ce qui fait la richesse et la vivacité du jeu encore aujourd'hui, c'est l'érudition couplée à la créativité de sa communauté, chacun apportant sa pierre culturelle au gargantuesque édifice. Quand je parle de différents mouvements de la fiction comme ici, le but n'est pas de les cloisonner à une représentation archétypale, mais au contraire d'éveiller, en moi d'abord pendant les recherches de la vidéo, une curiosité artistique pour cet univers et les œuvres qui s'y rapportent. D'ailleurs, la plupart de ces œuvres ne se cantonnent pas à une seule catégorie, leur combinaison participant à leur fertilité et à leur singularité. C'est le cas d'Existence, film du cinéaste David Cronenberg, connu pour son intérêt dans la représentation horrifique du corps humain, devenu par sa maîtrise l'un des plus grands représentants du body horror. Ce sous-genre de l'horreur partage donc beaucoup avec le biopunk, dans son matériau, mais aussi parfois dans sa manière de le dépeindre. Le film, sorti en 1999, se place en quelque sorte comme une continuation de son Vidéodrome, qui s'interrogeait sur notre rapport à la télévision. À présent, le réalisateur se penche sur les jeux vidéo, associant manette et console pour créer le GamePod, machine aux multiples appendices et autres difformités qui, via un cordon ombilical, se branche à un port artificiel sur le joueur, qui est ainsi transporté directement dans le jeu. Pas d'écran donc, en opposition totale avec Vidéodrome, manière radicale d'éviter la redite, afin de s'interroger, toujours en faisant du méta-cinéma, sur la ludicité qui fait les deux médiums. Les acteurs jouent un rôle pour le film, puis au sein même du jeu. La minutie morbide de Cronenberg se révèle aussi avec la fameuse scène de reconstruction d'un poulet cuit, pour en faire un pistolet. Du hacking dans le sens le plus littéral possible. C'est quelque chose sur lequel a beaucoup itéré le jeu Scorn, s'inspirant de l'esthétique biomécanique de Hans-Rudi Giger, pour créer armes et outils aux animations aussi soignées que repoussantes, dans leur vie autant que dans leur usage. Maintenant que j'ai bien réveillé votre appétit vidéoludique, passons à une série qui a fait ses débuts quelques années plus tôt, mais qui est encore aujourd'hui de premier plan. L'importance du domaine médical et pharmaceutique est, comme vous l'avez compris, immense pour ce genre, à l'instar de l'Umbrella Corporation pour un Resident Evil. Si l'on connaît évidemment la franchise pour ses zombies, c'est par l'utilisation de variations et autres mutations qu'elle est la plus créative. Elles sont occasionnées par des virus mis au point par l'obscure société afin de venir disrupter l'horlogerie naturelle du corps humain avec pour finalité d'en faire des armes, parfois jusqu'à un stade bio-organique. Comme dans GURPS,
Ces mutations offrent un terreau fictionnel parfait, parce qu'elles permettent d'extrapoler ou de faire naître un trait unique dans le corps. Mais aussi parce qu'elles sont parsemées d'énormément d'inconnus, laissant place aux expérimentations les plus extrêmes. La franchise Nippon a en conséquence su extrapoler ces mutations physiques afin de donner naissance à des monstres qui peuvent atteindre la stature de kaiju. Toutefois, l'intérêt ne se trouve pas dans le seul résultat, mais aussi dans la croissance précipitée par le virus, évolution incontrôlable et extraordinaire qui apparaît à l'écran, alors même qu'elle représente des moments où nous ne sommes a priori pas actants dans un jeu vidéo. Que ce soit par le biais de cinématiques ou, plus ludique, dans les phases successives des ennemis, justifiant diégétiquement le trope vidéoludique de la puissance croissante des boss. L'horreur se marie d'ailleurs aussi très bien avec ce concept de danger grandissant, à la manière des nombreuses mutations de la créature de The Thing. Dans Bioshock, c'est l'Adam, cette substance étrange issue de limaces de mer, qui a permis aux habitants de la ville de Rapture de modifier génétiquement leurs propres organismes. Associé à une esthétique architecturale art déco qui convoque l'imaginaire de l'entre-deux-guerres, le jeu ne cherche pas à faire dans la crédibilité scientifique, mais s'interroge plutôt sur l'humain. Rapture est ainsi une ville utopique à l'ambiance dieselpunk. L'Adam est une composante qui confère des pouvoirs tellement extraordinaires que l'on pourrait l'apparenter aux mutations que provoque l'uranium dans les comics, convoquant des éléments naturels comme l'électricité ou le feu. Son impact irréversible sur le protagoniste est flagrant, alors que, première personne oblige, on ne peut distinguer que ses avant-bras, volontairement laissés à nu. L'Adam est donc consommé par injection et révèle les veines en les faisant briller de la couleur associée à l'élément qu'elle accorde. Non seulement c'est une manière ingénieuse de toujours mettre en vue ses effets, malgré un choix de caméra qui semblait au premier abord ne pas le favoriser, mais c'est aussi un rappel constant que si le reste du corps est hors de notre perception, il les a subis aussi, laissant les potentielles modifications inopinées à l'imagination du joueur. Le génie de BioShock, avec cette mécanique en apparence simple et inoffensive, c'est de jouer sur le hors-champ, ce qui dépasse du cadre et de l'écran pour nous ramener à nous-mêmes. Dans ce domaine, les choses ont énormément évolué, et à une vitesse grandissante. Cette croissance spectaculaire est équivalente à celle qu'a connue l'informatique, notamment parce que l'automatisation a pris une place de plus en plus importante dans les domaines de la recherche, en biologie, mais aussi parce que les découvertes qui en résultent peuvent être partagées immédiatement et librement à tout autre scientifique dans le monde entier. C'est d'ailleurs grâce à ce réseau globalisé qu'en seulement quelques mois ont été mis au point les premiers vaccins prêts pour les tests contre le Covid-19. Mais ce qui était il y a quelques décennies réservé aux laboratoires et aux scientifiques à la pointe de la technologie est maintenant accessible à des particuliers, pouvant littéralement télécharger l'ADN de certains virus potentiellement dangereux pour les développer chez eux. Dès 1990, Sylvan Katz, dans son article au titre sarcastique « Roses are black, violets are green », The Emergence of Amateur Genetic Engineers prévenait de la dangerosité que pourrait représenter un biologiste généticien amateur, montrant la facilité avec laquelle il pourrait se procurer tout le nécessaire pour s'adonner au hacking génétique. Un apprenti biohacker pourrait construire espaces de travail stériles, mélangeurs, pompes à vide, centrifugeuses et appareils de distillation à partir de matériaux peu coûteux et récupérés en déchetterie. La cuisine moderne avec four à micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur et mixeur est une excellente source d'équipement additionnel. Des biohackers pourraient acquérir sucre de qualité commerciale, sel, acide, base, alcool, minéraux, vitamines et même antibiotiques et hormones par le supermarché, magasin de jardinage et la pharmacie et du vétérinaire, des fournisseurs en photographie ou produits chimiques. La modification de micro-organismes est ainsi facilement accessible. Il souligne aussi la probable impossibilité d'interdire l'accès à certains de ces matériaux, parce qu'ils sont issus de réactions qui se produisent naturellement. Si Katz s'appuyait surtout sur des suppositions futures, Kevin Esvelt, professeur au MIT, a tenté d'avertir en 2022 dans une lettre ouverte les sénateurs américains sur la dangerosité et l'accessibilité pour des personnes malveillantes de reproduire puis d'utiliser comme arme un virus aux capacités pandémiques. Au regard d'une pandémie qui a fait près de 7 millions de morts et pour rendre ses observations encore plus prégnantes, il ne cesse de comparer les dégâts d'un tel virus à ceux d'une arme nucléaire.
Nous vivons dans une version biologique d'un monde dans lequel une arme de la stature du plutonium peut être commandée par la poste et où des milliers d'ingénieurs ont les compétences nécessaires pour assembler un appareil nucléaire. Les deux domaines peuvent paraître radicalement opposés. Cependant, si l'on est pragmatique, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour établir des parallèles. Après tout, le génome est un ensemble d'informations codées au sein de notre ADN. Il pourrait en effet représenter une base informationnelle titanesque. Partons des nucléotides. Ces quatre unités chimiques qui forment un alphabet et se regroupent en paires de bases sur les hélices des brins d'ADN. Notre génome, l'ensemble de l'ADN, est composé d'environ 3,2 milliards de ces bases, ce qui équivaut à 700 mégaoctets de données par cellule de notre organisme. Au maximum, cela représenterait 450 millions de téraoctets pour 1 gramme. L'intégralité des données mondiales pourrait tenir sur l'espace d'une tablette de chocolat, soit 100 grammes d'ADN. Exit les problèmes de surchauffe. Ce système serait infiniment moins énergivore et donc plus écologique. En fait, il pourrait même faire bien plus que de servir de super base de stockage. Si vous vous intéressez au fonctionnement profond des ordinateurs, vous savez qu'ils dépendent en premier lieu des portes logiques. Or, rappelez-vous ce que nous a appris Paul Di Filippo. Notre ARN messager, la molécule qui transmet justement l'information du génome, est en permanence décodée par cette particule universelle qui l'intéressait tant, le ribosome. À partir de cela, l'on peut construire ses portes logiques et ainsi recomposer une unité arithmétique et logique, un ALU. Mais alors, quel intérêt si c'est pour arriver à l'exact même résultat qu'un ordinateur traditionnel ? L'architecture. Elle ne peut, dans cette configuration, être la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Comme aiment le clamer les défenseurs du DNA computing, les ordinateurs dans leur architecture traditionnelle, héritée de la Seconde Guerre mondiale, font de plus en plus l'expérience de leur obsolescence, n'arrivant aujourd'hui plus à maintenir vraie la loi de Moore, avec son doublement annuel du nombre de transistors présents sur un processeur. Et ce, à cause d'une barrière fondamentale auquel se heurte leur finesse de gravure, celle de l'atome. Les constructeurs ont même dû aller jusqu'à brider la fréquence d'horloge de ceux-ci pour limiter la surchauffe, ce qui fait qu'elle n'a pas augmenté de façon significative depuis 2004. Dans l'architecture qui vous permet le visionnage de cette vidéo, que l'on doit à von Neumann, mémoire et processeur sont deux unités distinctes, qui communiquent entre elles via ce que l'on appelle un bus. Le processeur ne pouvant traiter les informations que les unes à la suite des autres, même si sa puissance était illimitée, il devrait le plus souvent attendre le déplacement physique des informations par le bus avant de pouvoir les traiter. Or, avec le temps, nous nous sommes mis à stocker et à manipuler des quantités de données de plus en plus importantes, qui prennent de plus en plus de place et sont donc plus éloignées du processeur, le bridant plus encore. C'est un problème particulièrement vrai dans les data centers, où si informations et calculs sont corrélés, ils opèrent de manière séquentielle. Dans un ordinateur basé sur l'ADN, les réactions chimiques se produisent toutes en simultané. L'information n'est plus traitée bit par bit, parce que l'on ne travaille plus alors avec un ordinateur, mais avec un groupe indéfini d'ordinateurs, capable de s'autocloner au sein de l'ensemble à analyser et n'opérant sans aucune latence. Et qui sait, peut-être que dans le futur, ces ordinateurs parviendront eux-mêmes à passer les tests de Turing. Alors, dans le fond, le biopunk est-il un genre hypochondriaque qui déteste la biologie et ses avancées ? Recherche-t-il une forme de pureté naturelle et originelle ? Pourtant, les modifications génétiques n'ont rien de récent en soi. Nous nous adonnons à la sélection génétique depuis la naissance de l'agriculture, hybridant les animaux domestiques et d'élevage pour créer des nouvelles espèces, sélectionnant les plantes qui donneront le meilleur rendement. Certes, les scientifiques qui dépassent les limites éthiques et morales nous répugnent. Mais ne les avons-nous pas déjà largement dépassés ? Que dirions-nous à l'époque des recherches de Vésal, étudiant les cadavres de condamnés à mort dont ils n'avaient pas obtenu le consentement ? Comme souvent en science-fiction, les créatifs du genre sont d'abord des passionnés, tellement fascinés par les avancées de la biologie qu'ils en deviennent les premières critiques. Les peurs du scientifique tant craintif que passionné trouvent une réponse par la fiction. Comme vous l'avez remarqué, j'ai choisi d'aborder un, ou plutôt des sujets, très vastes, qui touche tant à des œuvres de fiction qu'à des actualités, dans des domaines complexes et mouvants. J'aurais pu, nombre de fois, et c'est peut-être même arrivé, tomber dans des pièges, en mentionnant par exemple une étrange souris, modifiée génétiquement, pour développer de ses propres cellules
une oreille humaine sur son dos, avant de découvrir que cette information altérée provient en fait d'une publicité judicieusement placée dans le New York Times du 11 octobre 1999 par le Turning Point Project, une association catholique visant à créer une panique morale, surtout par méconnaissance, contre les bio-ingénieurs de l'époque. Si le curieux mammifère a bien existé, l'oreille au cartilage de synthèse a en fait été cultivée dans un moule séparé pour être transplantée sur ladite souris afin d'étudier l'assimilation du greffon par celle-ci. Et la compétence des scientifiques, l'oreille étant la partie où la structure du cartilage est parmi la plus complexe du corps humain. Si certaines campagnes de désinformation comme celle-ci sont instructives, car chargées en histoire, comprenez pourquoi je vous invite cette fois-ci plus que jamais à aller en découvrir plus en consultant mes principales sources dans la description, qu'elles soient en français ou en anglais. En particulier, je tiens à souligner que ce travail n'aurait pu voir le jour sans la curiosité qu'ont éveillé en moi les recherches de Lars Schmenk, docteur et chercheur sur les médias à l'université de Hambourg. Si son travail m'a tant passionné, je ne peux que vous encourager à vous y plonger à votre tour, en particulier son papier universitaire Biopunk Dystopias, Genetic Engineering, Society and Science Fiction, et son site internet, notamment l'article Biopunk 101.